Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve enfin pour une créa. J'ai un pot à crayon à faire pour les loulous, parce qu'il leur en manque un de leur côté. J'ai trouvé un pot comme ça qui traînait à la maison que j'avais gardé justement pour customiser là. Hein. C'est un pot cacahuète. On va éviter de trop montrer la marque. Et du coup, j'ai pris du papier Canva. Donc, je pensais pouvoir faire le tour avec une seule feuille, mais non, il manquait quelques centimètres. J'ai pris le papier Canva comme ça, direction. Donc, bah, je vais faire. Il y aura des raccords. Hein, ça va être en deux parties, mais bon, c'est pas grave. Je pense que ça devrait pouvoir le faire. Donc, là, j'ai un petit raccord qui va se faire de chaque côté. Donc, j'ai pris mes mesures. Hein. Bah, après, vous prenez les mesures suivant votre peau, mais. J'ai pris, je vous les donne pas spécialement parce que je ne sais pas si on en trouve encore des bouts comme ça. Donc voilà, alors ils sont pas la même taille. J'en ai un qui est un peu plus petit et celui-ci un peu plus grand. Donc je vais m'en servir pour l'avant du pot. Je vais faire un petit tamponnage comme ça de chez All & Create. Est-ce que j'ai laissé sortir le. Oui. Donc c'est le hashtag 429. Voilà. Donc ça je vais le colorier après. Bon, je me suis sortie des tampons de fond, des tampons écriture, enfin des trucs comme ça. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas. On va voir. C'est le game over, je pensais le mettre dans la télé si ça passe. Et après je ne sais pas. On va bien voir, je vais déjà m'amuser à mettre de la couleur là-dessus. Donc, est-ce que j'ai de l'eau? Ouais, c'est bon. Je vais prendre un. Je pense qu'elle sera peut-être en plusieurs épisodes la vidéo. Enfin, vous, ça changera rien pour vous, mais pour moi, parce que on est déjà l'après-midi, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo ce matin. Et il est déjà 2h15, j'ai Owen dans une heure quand je repars. Donc, voilà. Donc je pensais mettre du bleu, du jaune et du vert. Hein. On va rester un petit peu couleur garçon. Donc, bah, je vais venir faire tout simplement de la patrouille. Je n'ai pas pris de sopalin. Et puis bah, tout simplement. Hop. Alors j'attrape mon sopalin. Ah mince, j'aurais pas dû essuyer, j'aurais dû faire aussi sur l'autre, parce que l'autre partie je vais quand même la décorer. Bon, il y aura moins de choses, mais hop. On va inverser un peu peut-être. Voilà, j'ai pas sorti mon heat gun. Peut-être que je sèche entre deux. Alors, hop, pour éviter que les couleurs se mélangent trop et que ça fasse un peu marron, marron pas beau. Donc, je vous mets sur off et moi je sèche un peu. Alors, ça devrait le faire. On va attaquer une autre couleur. Le vert, ah oui, j'avais pas dit mes couleurs, donc c'est les aquamarqueurs de chez Action. J'avais pris le 63, là c'est le 123. Mettre sur off hein, le temps de sécher tout ça. Je sais pas trop à quel angle je vais tamponner mes tampons après. Donc du coup je resèche cette partie là.
Voilà, et du coup, on va mettre du jaune. Donc là, je suis partie sur le 45. Et du coup, je pense qu'on devrait être pas trop mal. Alors, du coup, je remets une dernière fois sur off et je resèche ça. En fait, je me dis que je vais peut-être le laisser sécher un peu naturellement. Je vais coloriser pour pouvoir détourer ça, pour venir mettre là, pour voir où je vais pouvoir mettre mes tampons de fond et tout. Je vais peut-être plutôt faire ça. Alors, je vais mettre ça de côté pour que ça sèche tranquille. Et puis on va peut-être coloriser le petit bonhomme. La plaque est chaude. Bon, moi je suis toujours avec mes graphites 4115 et 4120 pour ma peau. Alors du coup, il va y avoir la lumière qui arrive là. Donc mon ombre, je la mets par là. Bon, sinon j'espère que vous allez bien. Je ne sais plus si je vous l'ai demandé en début de vidéo. Si on voit quelque chose non plus. Alors aujourd'hui on a du soleil, il fait super froid. Hop, je vais peut-être rapprocher. Ouais, il fait super froid, mais au moins on a le soleil, ça fait du bien après presque un mois de flotte. Ouais, ça caille, par contre, je sais pas combien il y en avait ce matin, mais alors c'était gelé de chez gelé. La mare de mes poissons, là, ça fait je sais pas combien de fois, je vais casser la glace dessus depuis ce matin, et ça regèle direct. Les cheveux, je n'avais pas réfléchi aux cheveux. Oui, c'est vrai que je pensais faire ça après. Je voudrais que ça fasse un peu châtain clair. Celui-là, c'est quoi? 96. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. 97, non. J'ai pas d'autres marrons. Les autres sont foncés. On va y aller comme ça. J'ai déjà passé une couche de 96. Je vais passer une couche et après je viendrai travailler les ongles et je represserai le 96 après. Vous voyez qu'il y a trop de démarcations. Thank you.
J'ai fait un trop gros jeté. Je viens de bavouser sur la figure. Je sais plus. C'est pas grave, il y aura une petite tache au-dessus de l'œil. Hein. Quand vous coloriez en étant pressé. Alors, je sais plus si j'ai fait son coup. Les yeux. Non, peut-être celui-là. 185. Jean, je sais plus à quoi je fais ma couleur jean habituellement. Il faudrait vraiment que j'arrive à. Je crois pas que j'ai ça dans mon carnet. J'ai commencé à me faire des combos couleurs. Hop, j'ai jeté une fée. Je crois pas que j'ai fait pour le combo jean. Non. Enfin, je vois ça parce que à chaque fois je cherche dans mes crayons et. Alors. Je sais plus lesquels j'utilise. Je ne sais plus. Celui-là, il va être foncé, je pense. Ah, quoique. 191 peut-être et 190. Ah ouais, 191 et 190 pour le pantalon. Alors. Avoir le temps de vous faire plusieurs vidéos là, cette semaine hein, parce que j'ai pris du retard là, c'est un peu la cata, j'arrive pas à avancer dans mes créas. Les chaussures, on va les faire en... pas grand chose dans les chaussons là, c'est un peu petit. Ça, j'ai pris le BG7. Ouais, j'ai plusieurs créas à faire normalement cette semaine, mais voilà quoi. Le t-shirt. Bon, les miens, ils aiment bien le fluo. J'ai mis du fluo là. La manette et la télé après. Et 161. Alors. Je vais
quand même être noir, je pense. J'espère que je ne mets pas trop ma tête devant. Alors, je sais pas comment c'est les manettes. Bougez pas, je vais dans leur chambre à côté, je reviens. Ouais, du coup c'est noir, mais on va plus voir mes petits boutons. Enfin, ben, moi sur leur plaie, hein, c'est ça. Après, c'est peut-être pas une plaie, mais. Ah, c'est peut-être pas la faire trop noire. Hein. Alors. Si je fais ça. On va mettre le bordel là où j'ai rangé. Alors on va faire du CG8 et du CG7. Alors le CG7 m'a l'air plus foncé que le CG8. Donc les boutons en couleur. Les boutons et la croix. Si j'arrive à sauvegarder tout le monde, parce que c'est Rikiki. Ouais, c'est bon. Alors, là, je vais peut-être y aller avec du... les fil marqueurs là. Est-ce que j'ai du rouge, du jaune? Rouge. Ah bah d'accord, il est sec. Ouais, il est sec mais pas partout. Hein. Du vert. Ah, après je vais mettre la petite croix en jaune, je suis pas sûre que ce soit ça, mais bon. Hop. Je me demande s'ils n'ont pas attrapé un petit coup de chaud là, parce qu'il fait tellement froid que j'ai mon radiateur en dessous et j'ai le radiateur juste là en dessous qui est en train de chauffer comme un malade. Quoique là ça se calme un peu. Donc maintenant il nous reste la télé et après il restera à découper tout ça. La télé, donc on va faire le contour en gris. Je sais pas si je vais pas reprendre le... si je fais CG7 et CG6, c'est un tout petit peu plus clair que la manette. Bon, CG7 est trop foncé. CG8.
J'ai 5. Pardon. Je vais quand même prendre un peu de celui-là. Si j'ai 8. Papier, ça bavouse. Ah ! Quelle nouille. C'est pas ça que je voulais. Bon, c'est pas grave, hein, je recommence pas, sinon... Enfin, je sais pas pourquoi, là, mon papier, il bave. De toute façon, voilà. Donc, je vais faire une petite pause. Je vais découper ça, puis on se retrouve tout de suite après. Normalement, hop, et pas eu le son quand j'ai repris. Du coup, j'ai colorisé, enfin détouré mon petit bonhomme. La télé, j'avais oublié de colorier l'écran, donc c'est chose faite. Je vais utiliser le 143 et le 144. Comme ça, je sais pas, je voulais mettre ça, mais je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce que je le mets sur l'arrière de la télé? Sur l'arrière du bonhomme, je ne sais pas. Je vais essayer de tamponner à la versafine. J'espère que ça va sécher. Au pire, je laisserai sécher jusqu'à demain et puis on fera le montage demain. Du coup, je sais pas. J'ai pris quoi ? Alors, ouais, je sèche. Game over, je sais pas s'il va rentrer, on verra ça après. Bon, je vais rester sur cette idée-là, je vais le mettre par là. On verra bien. Je sais pas si ça va bien tamponner là-dessus. Alors, me demandez pas d'où il vient celui-là, je ne sais pas. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et bah, comme une andouille, j'avais pas noté. J'avais pas noté d'où il venait, donc résultat, je ne sais pas. Ce que je disais au tout début, je faisais mes pochettes là, mes pochettes à base de petites feuilles plastifiées là. Je pensais pas toujours à noter. Maintenant, j'essaye d'y penser. Ça m'arrive encore de pas les noter et je zappe. Ça dépend quand je suis pressée, que je vois que j'ai pris du retard dans tous les dans mes pochettes, parce que des fois j'attends tellement avant d'en refaire que... Hop. Je vois qu'il y a des petites étoiles, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait...
pourrait être pas mal. Je vais peut-être juste mettre ça aussi un peu de... Je tamponne à la vers sa fine grêle là. Je préfère. Je préfère à la. Comment on appelle ça? Je sais pas ce que je fais là, comme bêtise. À la noire. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Hop, c'est pas grave. Soyons fous. Aïe aïe aïe. Je pense que je vais prendre les étoiles. J'ai des verts saphir. J'ai quoi comme couleur? Hop. J'ai de la verte. J'ai de la bleue, voilà. Alors, ah oui, je voulais mettre des chevrons aussi. Regardez pour les étoiles. Alors celui-là je vais peut-être le garder pour derrière et des tâches. Est-ce que je fais des tâches? Ça va peut-être être grosse. Je vais voir comment ça tamponne ce truc là. Tampon-tâche, je crois que j'en ai d'autres. Alors, je vais ranger celui-là. Graffiti Girl, je sais pas si j'en ai pas en Graffiti Girl.
parce que ceux-là sont un peu gros. Où sont mes tampons graffiti? J'ai tout changé de place. Enfin, j'ai interchangé quelques tampons. Pardon. XOXO. Hop. Ah, flûte. Je sais plus lesquels j'utilise. Ta chouchou, mais c'est pas ça. Alors, que je réfléchisse. Donc, chou and flower, peut-être. Hop. Je vais perdre mon casque. Alors, ça, c'est les doudous. Non, là il y a les étoiles. Ah, flûte. J'ai pas pensé. Ah si. Celui-là peut-être. Avec des petits plus. Alors, hop. Remettre au fur et à mesure. Quelle heure il est? Il est presque 15h. Je pense qu'on fera. Je finirai l'assemblage demain. Hop. J'ai tamponné sur ma télé. Donc ceci, on va mettre celui-là à sécher. Je reviendrai dessus demain et je vais venir prendre celui-là. Ah si, là je voulais peut-être juste finir celui-ci. Ah, je vais faire des bêtises. Je vais venir faire des bêtises. J'ai vu le XO là qui me plaisait bien. À faire beaucoup. Hop. Bon, je vous montre déjà ça. Ah, ce que ça donne ici. Là, je vais tamponner Game Over. Si je le retrouve. Parce qu'il est quelque part là-dedans. Quelque part dans mon bordel. Il est là. Je vais tamponner ça. Après, je m'attaque à l'autre côté. Et après, je finirai demain. Pas mis bien comme il fallait. C'est pénible de faire des créations en catastrophe. J'ai une tête de Pac-Man. Ça se passera pas dessus.
planche là, c'est DIY et compagnie. Alors, je ne sais plus où je l'avais trouvée celle-ci. Je ne sais plus sur quelle boutique. C'était une spéciale jeu. Vu que moi j'ai mes gamers. Ah non, hein, ce saut aurait dû faire ça avant. La tête de Pac-Man. Non. Ouais, j'aurais dû décaler et mettre Pac-Man. Alors, pas si pour grave. Bon, au pire, c'est pas bien. Non. Oh, je sais pas ce que je veux. Ça donne quoi? Ça va peut-être être moche. Hein. Non. Allez, hop, tu vas assécher. Je vais faire. Bah, j'ai besoin de ça pour faire le derrière. Je vais utiliser ça. Donc là, je vais utiliser le super. Bon, je vais peut-être mettre pas de main, là. Envie de remettre des XOXO. Ah ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis, parce que du coup, celui-ci va peut-être être mangé. Alors celui-là je l'ai pris, hop, ici, ça c'est Miaoups, non? Attendez, je veux dire ça, c'est ça, ça c'était Miaoups création, mais du coup à la plus boutique. En fait il y a juste celui-là, je sais plus ce que c'est, et ça c'était essentiel, là, les quadrillages, je sais pas si je le remets, parce que déjà je me dis que j'aurais pas dû le mettre là. Pas grave. Et puis on va remettre des étoiles. Et puis on devrait être. Et puis des petites taches et on devrait être pas mal. Hein. Voilà, des petites taches et puis ça devrait le faire. Oups.
Bon bah moi je vais laisser sécher ça. Bah du coup pour vous ça change rien. Hein. Moi je finirai ça du coup demain matin. Donc vous étonnez pas s'il y a un changement de tenue et de lumière. Je pense que demain matin j'aurai un peu moins de lumière. Vous étonnez pas. Comme ça ma VersaFine devra avoir le temps de sécher en plus sur mon papier. Ça, normalement, je devrais pouvoir manipuler ça correctement pour coller ça. Du coup, j'ai pas mis de Pac-Man. On verra bien. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous dis à tout de suite. Hein, le temps que ça sèche tout ça. Je vais essayer de mettre ça en sécurité si jamais il y avait des chats qui avaient envie de passer par là avec leur pâte sale. Hein, parce qu'ils n'arrêtent pas d'aller dehors. Encore aujourd'hui, c'est un peu plus sec, mais je vous raconte pas quand ils vont dehors. Je passe ma journée avec mon balai. Donc voilà, à tout de suite. Allez, recoucou tout le monde. On se retrouve. Du coup, on est le lendemain. Je suis désolée, il y a la lumière. J'espère que ça va aller. Parce qu'il ne fait pas encore jour, mais si j'attends trop, j'aurai pas le temps de finir ma vidéo. Du coup, ça a eu le temps de sécher. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Bon là je me tâtais toujours à mettre Pac-Man mais il aurait fallu que j'y réfléchisse avant. Et là j'ai du coup, hier soir j'ai mis un petit peu de Posca blanc dans ses yeux mais on les voit presque plus parce que j'ai mis Glossy. J'ai mis du Glossy Accent, voilà comme ça c'est sec. Je me tâtais à en mettre sur la télé mais ça va rester comme ça. Et j'ai collé celle-ci juste comme ça sur le tissu. J'ai collé mon petit bonhomme en relief. Bah la colle, pour la colle, là pour l'instant j'ai utilisé la... Ah, si je veux bien sortir du pot, celle-ci, là, la Takiglu. Et par contre pour coller sur la boîte, je vais peut-être utiliser la All Purpose. Donc on va coller tout ça sur notre boîte. Et du coup, ça a eu le temps de sécher et ça tient bien. Ça colle bien. Bon, ça me fait des marques pour l'instant. Je pense que ça va partir après. Par contre, ça colle bien tout de suite. Donc, on en est. Hop. Oh, je suis désolée là, du coup, avec la lumière. Comme ça. Et bah, du coup, je vais venir mettre celle-là ici. Par contre, il y aura un petit raccord. Thank you.
je voulais les inverser en fait. C'est pareil. J'ai dû retourner mon papier dans le mauvais sens après, mais c'est pas grave. Et puis là, il n'est pas aligné. Là, ça va à peu près, c'est aligné, mais l'autre côté, non. Bon, c'est pas grave. Hop. Allez. Que ça m'a pas fait de pouillotte là. Pas mal pour customiser les boîtes. Je vais pas découper super droit, mais c'est pas grave, j'aime bien. La dernière fois j'avais fait avec du papier, j'avais un petit peu galéré, et là avec le papier Canva c'est plutôt pas mal. C'est vrai que du coup on peut faire plein de choses avec le papier Canva. Donc voilà ma petite boîte décorée. Hop, juste ici. On fait une pouillotte. Voilà, les loulous auront leur petite boîte. Alors là, si j'éteins, on va rien voir. On ne voit plus grand chose. Ils auront leur pot à crayons. Je n'ai plus qu'à leur mettre les crayons qui traînaient là. Oh, c'est pénible. Donc voilà ce que ça donne. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable à travailler et du coup à coller. C'est nettement moins galère, parce que la dernière fois j'avais du mal à faire tenir mon papier, parce que moi je m'en suis fait une pour moi, une toute petite là, je sais pas si je vous l'avais montré, et j'avais du mal à faire tenir mon papier, bah, c'était des blocs 30-30 hein, de chez Action. Donc là on a un petit raccord ici, mais bon, c'est pas trop, et j'aurais dû les travailler en ligne, je m'étais fait une comme ça moi, et c'est vrai que déjà pour faire tenir le papier dessus, moi j'ai fait un raccord... j'ai pas calculé, et du coup je suis obligée de rester tenir mon papier pour qu'il prenne la forme et qu'il colle, alors que là ça se fait tout seul. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, avec le papier qu'on va de chez Action, les aquamarqueurs de chez Action, mais je pense qu'on peut les travailler aussi avec les petits pattes d'encre là. Suivant les couleurs que vous utilisez, hein, vous mettez votre encre de votre pâte d'encre là-dessus, du pipchit, et on peut y aller aussi comme ça. Donc voilà, bah, c'était ma petite vidéo, je suis contente, j'ai réussi à vous faire celle-ci, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, un petit pouce, un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.